Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous saviez que DSD, Digital Speech Decoder, la version open source qui est disponible sur GitHub, est maintenant capable de décoder du DMR simplex? Ce qui veut dire que ceux qui, les heureux possesseurs d'un petit TYT comme ça, d'un Motorola comme ça, d'un Itera comme celui-ci, ou alors de tout poste DMR, pourront s'amuser à décoder des conversations audio qu'ils émettront eux-mêmes. Voilà, il y a quelques petites subtilités. Donc DSD maintenant, il marche globalement bien, vous allez voir qu'il n'est pas complètement parfait, mais il permet de décoder du DMR simplex et surtout il va permettre d'extraire les données quand on a besoin de faire des analyses de trame. Je vous montre ça tout de suite, comment on le lance, il y a une petite subtilité à faire. Je vous montre ça juste après, mais juste avant, générique. Alors, DSD et du DMR simplex, ça fonctionne enfin. Ça y est, on peut enfin obtenir quelque chose. On arrive à avoir quelque chose d'à peu près stable. Je vais vous faire la démo en fin de vidéo. Il va y avoir quelques limitations pour pouvoir utiliser DSD avec le mode simplex. Ça fonctionne avec un signal audio sans squelch. Autrement dit, dans SDR Sharp ou dans n'importe quel autre logiciel, il faudra décocher la case squelch. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un filtre à l'entrée qui filtre les échantillons DMR. Et quand il y a des coupures, vous savez que le direct mode, c'est du TDMA, donc il va émettre pendant 30 millisecondes, un peu moins, 27,5, puis se taire pendant 30 millisecondes. Et quand il se tait, en fait, le filtre se désamorce. Et donc, il va falloir décocher la case squelch pour qu'il y ait tout le temps des données audio qui rentrent dans le filtre à l'intérieur du décodeur de DSD pour pouvoir en extraire les données audio et les données audibles. Donc, également, une autre limitation, il est instable sur le début des transmissions. Vous savez, quand vous commencez une transmission DMR, il y a des voice headers qui sont envoyés. Parfois, quand vous êtes crypté, il y a également des PI headers, des privacy headers, et là, on ne les capte pas. Donc, il y a un temps au début où il a besoin de se stabiliser. Je travaille à le rendre plus stable. Pour le moment, je n'y arrive pas encore. Et également, le slot, il va être fixé à 1. Vous avez vu peut-être ma vidéo de la semaine dernière, sur laquelle je vous expliquais qu'en DMR, il n'y a pas de notion de slot, sauf si vous avez coché la case mode direct capacité double, ou alors leur équivalent chez les différents fabricants. Mais si vous n'avez pas coché cette case, ce sera fixé à 1. Voilà, donc ce sont les seules limitations. Je vous propose maintenant de passer tout de suite à la démo. On va filmer mon écran et je vous montre comment on le lance, et surtout la petite case à décocher pour que vous puissiez décoder. On va utiliser ce poste-là, TYT-MD390. Ce sera le... C'est lui qui va m'aider et c'est lui qui va nous servir pour cette démo qui va suivre. C'est parti, on se retrouve derrière mon écran. Alors, c'est parti pour la démo. J'ai lancé en arrière-plan SDR Sharp, logiciel bien connu, et que je vais coupler avec Cygwin et donc DSD qui va tourner sous Cygwin ici, là-dedans. Première chose à faire dans SDR Sharp, vous vous mettez sur la bonne fréquence que vous voulez écouter. En l'occurrence, nous, on va faire le test avec un TYT, un MD390. Je voulais vous montrer que ça décode très bien. Ça va très bien décoder le simplex. Première chose à faire, donc là je suis sur la bonne fréquence. Vous voyez, hop. Alors je vais ajuster le gain parce que l'antenne étant juste à côté, je puisse avoir. C'est bon. Je ne sais pas si vous entendez dans le micro, on entend des petits trr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 
câble output là, ça c'est le câble audio virtuel, il est en entrée micro par défaut, et donc quand à l'appel de cette commande, DSD il va prendre en entrée par défaut le câble audio virtuel, et en sortie il va prendre par défaut la sortie audio, en l'occurrence c'est celle qui est dans mes écouteurs qu'on voit de chaque côté, là, et sinon c'est les haut-parleurs du PC. On lance la commande. Alors qu'est-ce qui se passe si on oublie de décocher la case de squelch? Eh bien vous allez voir, il y a un signal, mais DSD se lance jamais. Et donc il faut absolument décocher la case là, comme je vous avais dit. Et là, cette fois-ci, si vous appuyez, test. Test. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne en simplex. Vous allez noter cependant plusieurs choses. Le début des trams, ici, là, normalement, il y a des voice headers qui sont envoyés. On ne les voit pas. On ne les voit pas, tout simplement parce que le décodeur n'est pas assez stabilisé. Donc, il a besoin d'une transmission un petit peu longue pour pouvoir écouter. Si jamais j'appuie très brièvement, vous allez voir qu'il ne va pas se déclencher. Test. Test. Ouais, s'il y arrive quand même. Si je fais des appuis très brefs, vous voyez qu'au début, il décode là. Ici, c'est du MBC. MBC, MBC, MBC. En fait, non. Il n'y a pas de MBC normalement, c'est des voice headers. Ça, c'est des erreurs parce que le système n'est pas stabilisé. Par contre, sur des durées qui durent un petit peu plus longtemps, on peut entendre la conversation. Typiquement, voilà ce que je vous ai montré. Voilà ce que là, je vous ai montré. Là, je parle et on m'entend. Voilà. Voilà. Et si jamais vous recochez la case de squelch, eh ben notez bien que là, cette fois-ci, ça ne décodera pas. Vous voyez, j'appuie, il ne se passe rien. Et si je squelch, là, j'ai retiré le squelch. Là, j'ai retiré le squelch. Ça marche. Ça marche. Voilà, je voulais vous montrer que du coup, vous pouvez décoder du simplex. C'est pas encore parfait, je travaille au décodage. Pourquoi est-ce qu'il faut décoder la case simplex? À mon avis, je pense avoir identifié pourquoi. Parce que le décodeur, il y a un filtre de signal en entrée, et quand on met la case squelch, entre deux trames TDMA, il n'y a rien, il y a zéro. Et le filtre se désamorce, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas initialisé. Comme il n'y a pas une continuité dans les données d'entrée, et les données de sortie, à un moment donné, se mettent à zéro, et donc le décodeur ne se déclenche jamais. Tandis que quand on décoche la case squelch, il y a toujours des données d'entrée qui rentrent, et ce qui fait qu'il arrive à s'en sortir, il considère qu'il y a toujours un signal en entrée, et donc il arrive à décoder quand le poste émet sur sa trame TDMA à lui, sur son time slot à lui, le décodeur va être en mesure de le décoder. Voilà, c'est tout. Allez, je retourne au PowerPoint. Bon, j'espère que cette démo vous a plu et que vous pourrez la reproduire chez vous pour vous amuser. Nous en arrivons à la conclusion. Eh bien, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que maintenant, DSD est capable de décoder du simplex, enfin du mode DMR, du simplex, du DMR, je vais y arriver en mode simplex. Le décodeur, comme vous l'avez vu, il n'est pas parfait, on rate le début de transmission, il est un peu instable, il faut uniquement des signaux non squelchés, donc il n'est pas parfait, mais je travaille à son amélioration. Donc voilà, ça fait plusieurs années que j'essaye de le refaire plusieurs fois, de le recoder en vain. Donc là, enfin, on a quelque chose qui marche à peu près, même si en début de trame, c'est pas forcément très bien. Ça permet déjà de faire des choses. Voilà, le petit mot de la fin, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci à tous, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos. Donc restez bien connectés à cette chaîne. Ciao à tous.